Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, mon beau sapin, comme il est doux de te voir briller parmi nous. Toi que Noël planta chez nous, scintillant de lumière, mon beau sapin. Ici présent, ainsi qu'à celui de toutes les familles, il nous revient l'immense honneur de vous présenter, Monsieur le Directeur Général, nos vœux les meilleurs aux nouvelles de ce nouvel an. Que cette année soit pour vous, particulièrement et pour l'ensemble de la famille douanière, une fête de la concrétisation, des souhaits professionnels et familiaux. Nous vous souhaitons vivement nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de stabilité, de joie et de bonheur. Merci mille fois pour cette belle fête. Joyeux Noël à tous. Nous vous remercions de votre aimable attention. Chers parents, distingués invités, chers enfants, cette année, M. Abdourahmane Dieye, directeur général des douanes, avait bien voulu marquer de sa présence la cérémonie de l'arbre de Noël organisée par la direction générale des douanes au profit des enfants de son personnel. Il souhaitait ainsi communier avec vous, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Vous imaginez donc l'honneur qui m'est fait de le représenter et l'immense plaisir que j'éprouve de devoir partager avec les enfants ces moments de joie et de bonheur. La Direction générale des douanes s'est engagée depuis plusieurs années à redynamiser sa politique sociale en direction de ses composantes les plus vulnérables, à savoir les enfants, les retraités, les veuves, les orphelins, etc. Pour les prochaines années, elle entend poursuivre ses actions en mettant un accent particulier sur l'encadrement des enfants de son personnel à travers les colonies de vacances ainsi que la célébration annuelle de l'arbre de Noël.
Chers parents, la cérémonie de remise de cadeaux aux enfants constitue pour le directeur général un moment fort pour vous exprimer sa satisfaction renouvelée pour votre engagement à ses côtés en vue de relever ensemble les défis qui nous interpellent. En effet, les missions de mobilisation des recettes, de soutien à la compétitivité de l'entreprise, de lutte contre les trafics illicites de toutes sortes et de sécurisation de nos frontières exigent l'implication de tous. Les efforts déployés à cet effet ont été récompensés par les résultats très satisfaisants que la Direction générale des douanes a réalisé au titre de l'année 2022. Chers enfants, les contingences qui caractérisent la vie professionnelle de vos parents amènent parfois ces derniers à s'absenter à la maison, vous privant ainsi d'un temps de présence que vous êtes en droit d'attendre d'eux. C'est en guise de réparation de ce préjudice causé que cette cérémonie est organisée à votre profit dans ce bel espace convivial que constitue le Magic Land. Ces cadeaux que vous allez recevoir tout à l'heure récompensent les innombrables efforts consentis dans la quête du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Nous sommes convaincus que l'avenir appartient à la jeunesse et que l'atteinte des objectifs du développement passe nécessairement par la formation et l'encadrement des enfants. Soyez donc rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour vous assister dans le sens de la prise en compte de vos préoccupations sociales et scolaires. Au demeurant, je vous exhorte à vous inspirer des valeurs incarnées par vos parents pour mieux vous illustrer dans vos cursus scolaires et à demeurer fiers d'eux. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter par anticipation mes vœux de bonne et heureuse année 2023 à tous les parents et enfants ici présents ainsi qu'à l'ensemble de la famille douanière. Que l'année 2023 qui s'annonce soit pour vous-même, pour vos familles ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers, une année de santé, d'harmonie, de réussite, de bonheur et de paix profonde. De vous le dire, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Thank you.